Bonjour, je vous attends. Et qui c'est qui nous fait l'intro? C'est qui? Comment tu t'appelles? Shana. Mais non, tu t'appelles pas Shana. Schtroumpf. Shana Schtroumpfette. Bon, vous êtes là? Encore personne? Il faut que je reste à la lumière. Alors attends, je vais m'éclairer là. Voilà. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. Qui c'est? Marilyn. Ah, Marilyn, chérie. Bon, allez, je commence à parler parce qu'après, dans les rediffusions, ça craint, c'est trop long. C'est le cours intermédiaire complet. Donc, vous avez au choix, vous pouvez les cumuler ou faire juste une partie. 15 minutes de cardio, donc on boit. Il y a des sauts ou pas de sauts, je vous propose les deux versions des pas. Ensuite, vous avez 15 minutes de barre avec un poids. 500 grammes, 1 kg, 1 kg, ça demande déjà beaucoup de placement dans l'épaule. Coucou, si on arrive. Et à la fin, le tapis pour aller au sol, pour le pilate et pour le stretching. Qui c'est qui est là? Caroline Berton, Béatrice de Barolet, Sylvia et Marilyn. Marilyn laquelle? Marilyn, celle que tu appelles Marilyn, mais ça s'appelle pas Marilyn. Ah d'accord, bon allez on y va. C'est parti. Et tu veux pas te montrer? Vas-y. Ouais, c'est bien. Allez, tu me mets la suite. Merci, c'est adorable. Je lui prends l'ordinateur pour la musique et elle en a besoin. Donc, tu peux m'enlever le message? Tu me les pousses sur les côtés? Allez, les genoux vers l'extérieur. À tout à l'heure. Les genoux vers l'extérieur, les pointes aussi. Allez, on passe d'un côté et de l'autre. Il y a un temps en Ile-de-France. Vive la Guadeloupe! Ah, pliez bien. Alors, j'ai pris au bout mon petit texte ce matin. Vous savez qu'avec vos sous, je vais m'acheter un short de danse. Un autre. Eh ben, j'ai pas trouvé. Allez, on déplie le bras. On respire avec la bouche. Le nez, c'est trop petit. La bouche, c'est le nouveau-né. Et on pense pas souffler. Ok, on croise devant. Croise. Les épaules en arrière. Gardez le pincement entre les omoplates. Je viens vous voir. Ça va? Alors, j'ai des nouveaux qui écrivent. Je ne sais pas d'où vous venez, mais bienvenue. Hein. Et alors, grande nouveauté, je commence à avoir des virements pour les abonnements pour le mois prochain. Ce nouveau système d'abonnement. Donc merci. Merci tout le monde. Ça va m'aider à vivre ça. On regarde le pied vers l'extérieur. Allez. Allez, tournez. Alors, vous tournez dans les diagonales avant et vous poussez le pied en arrière. En arrière. Allez, en arrière. Sans croiser le bras. On avance le bras, on recule la jambe. Tenez bien le centre. Le périnée, vous dis-je, le périnée. Continuez, je vais plus fort. C'est pas assez fort. Wouh! 5, 6, 7, à droite. Voilà. Talons fesses. Allez, rebondis. Réveille le poids sauteur qui est dans toi. Et nous avons la Berton parmi nous. Arrête de sourire, j'ai la Berton. On en fait deux. Deux. Encore deux. Ouh! Ouais. Et un talon, un genou. Un talon, un genou. Ça va pour la tête? Ouais. Talon, genou. Talon, genou. Derrière, devant. Encore. Respirez bien la bouche. Ouvrez le poitrail. Allez, les derniers. On va passer à autre chose. Ok, allez, marche. Alors, on reste dans un étirement actif. Jambe droite. Devant et derrière. Devant. Et là, on étire l'avant de la cuisse. Devant
Elle est derrière. Elle est dernière. On étire derrière, on étire devant. Et de l'autre côté. Allez. Devant. Genou vers le sol. Devant. Genou vers le sol. Encore. Et. Non, mais il y a de la pluie partout. Et. Ok. Vous marchez ou vous sautillez? Je zappe. Alors, vous pouvez soit marcher, soit courir. On commence les petits impacts. Pour ceux qui veulent, sinon vous marchez. Allez, un pas de chaque côté. On saute sur les côtés. On peut très bien le faire là. Hein. D'accord? Mais je suis flou, non? Ah, c'est la lumière. Vous voyez bien? C'est bizarre ce que je vois. Ne quittez pas. Je vais nettoyer tout ça. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais, je suis pas normal. Un peu plus loin. Je sors du tapis parce que j'ai peur de glisser. Vous pouvez le faire au sol, hein. Allez, tout petit, sur les côtés. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Tout en sautant. Ma voisine, elle va mourir des oreilles. Allez, relâche. Je m'amuse. Ça me fait un bien fou. Hein. Je viens voir combien vous êtes. Allez, assemble. En l'air. Ou bien vous restez au sol. En l'air. Allez, genoux. Et on relâche, ça l'empêche. Tout ça, on va le sauter. Apprenez-le au sol. Ça va? Genoux de l'autre côté. Ça l'empêche? Ok, vous restez comme ça, genoux talon, fesses, ou bien vous le sautez. Donc au sol, vous sautez. J'ai perdu le pas. De l'autre côté, allez. Et oui, ça m'arrive. Et relâche. On va refaire tout ça, et rapide. Attention, les genoux. Et les talons, fesses. Vous pouvez rester au sol, hein. Vous sautez. De l'autre côté à gauche. Vous pouvez rester au sol, vous sautez. Pensez à souffler à fond. Allez. Allez, courez. Vous au sol, vous marchez. Attention de ne pas croiser les mains. Toujours devant l'épaule du même côté. Ok, regardez. Devant. Sans fermer la poitrine, bien ouvert. Vous l'avez? On peut le sauter? Genoux restent orientés avec les orteils. Encore.
je l'envoie dans la diagonale. Sans me voûter. Jamais voûter. Ok, voilà. Récupère. Soufflez à fond. Retrouvez la posture. Ça va? Deux genoux. Deux. 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 Croise devant. Croise devant. Les bras. Croise en même temps. Croise en même temps. Pas de déplacement latéral si c'est un stop par terre. Allez, petit. Récupérez. Soit vous gardez ce pas, soit on va le sauter. Mais plus rapidement. 5, 6, 5, 6, 7. Et. Vers l'extérieur. Ou bien comme ça. Ok? Encore. Soufflez, soufflez. L'accent sur l'expiration, j'allais dire l'expulsation. Wouh! Ok, relâche. Je devrais bien, je devrais bien. Alors, là, écarte, referme. Voilà. Échappe. Échappe, de l'autre côté, gauche, écarte, 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 et à droite, si vous voulez taper, encore, écarte, écarte, vous fermez, ferme, attention, la même chose avec le pied gauche qui commence, là, vous pouvez marcher, vous le courir. Ok, on balance. Vous pouvez garder au sol, hein. Comme ça. Ça va? Simple, simple, double. 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 Encore. Par le bas, de la jambe trompée. Enfin, et sauter. J'ai failli. Yes. Un seul. Vous pouvez rester au sol comme ça. Ok, devant. Reviens, reviens. Devant. Les faces en arrière. Les pieds dans l'arrière des épaules. Et, diagonale. Face, diagonale. Face, diagonale. Encore. Sans sauter. D'accord? On récupère deux pas.
Chasse, si tu veux. Chasse deux fois. À 5 deux fois. Ouh. Allez, ça va être le moment de se calmer. Retour au calme, sans impact. Maintenant. Allez. J'arrive. How do you do? Comment ça va? Impact de côté. Commence à souffler. Enlève les bras. À tout à l'heure. Allez, à demain le cardio. On voit, on prend la chaise. N'arrêtez pas de marcher. Prenez le poids aussi. Vous pouvez enlever les chaussures si vous voulez. Est-ce que vous avez plus de travail? Est-ce que vous avez une pression pour faire comme la semaine prochaine déjà? Le truc bizarre. Allez, on y va? Allez, parallèle. Vous voyez, les fesses ne partent pas en arrière. Dos au mur. Je garde les talons au sol. Et je plie. Maintenant, je vais monter sur la pointe des pieds. Tends bien les jambes. Je pousse vers l'avant, vers l'arrière. Toujours l'épaule basse. Cherchez l'équilibre. La main devant. Oh là 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 là, les enfants, vous me connaissez. J'ai envie d'allonger sur le piano. Un short lamé. Alors, un petit V avec les pieds. On tourne grâce à l'ouverture des genoux, des hanches, ça vient des fesses. Allez, pliez, pliez. Donc on a la main par l'extérieur, mais pas complètement, c'est dans la diagonale. Pointe de pied, allez, et monte. En avant, en arrière. Vous voyez, je pousse le bras un petit peu, je le croise derrière. Sans lâcher la tenue abdominale, imaginez un coup de poing dans le ventre. C'est ça, le coccyx vers l'avant et les côtes vers le bassin. Très bien. C'est très bien. Allez, l'autre côté. En parallèle. Plie. 45 degrés. Et plie. Le bras en arrière. La pointe comme une serpette acérée. Et le dernier. Le temps qu'il reste pour changer. Vous êtes prêts? C'est bien les enfants. Alors, ce petit V, on le garde. On tient son pot de fleurs. C'est un pot de lait. Allez, on donne un coup de pied dans la diagonale. Tout le monde dans la diagonale. Bras, jambes dans la diagonale. Allez, on déplie. Dans la diagonale. Diagonale.
Maintenant, tu restes dedans, dehors, dedans, dehors. Le pied, la main. Alors, sentez-le bien dans la fesse et dans l'épaule. De l'autre côté. Dans la diagonale. Là, coup de pied, coup de poing. Diagonale. Ça, c'est pour avoir une jambe de terre vraiment en dehors. Les orteils au-dessus du genou. Et on reste. Allez, renverse. Renverse. Renverse et ouvre. Encore. Et on relâche. C'est bien. Alors, on était là comme ça. Vous vous rappelez? Quand vous allez déplier le bras, vous allez pointer le pied. Et vraiment. Point. Toujours l'épaule basse. Toujours le bras dans la diagonale avant. Et la jambe aussi. On a toujours le V au sol avec le pied. Allez, l'autre côté. Je te regarde. V, diagonale. Allez, pointe. Ah, oh, j'adore. Je continue. Encore deux. Non, allez, on relâche. Ah. Levez. Dedans. Et dehors. On s'arrête dans la diagonale avec le genou, avec le bras. Si on va trop loin, on va briller vers l'intérieur avec le genou. Ça va pas du tout. Ça va faire mal au genou, au sol. On y va? Allez. Dedans. Dehors. Dedans. Le coude sous l'épaule, pas en l'air. Ouvert. Et passe le talon derrière. Et là, on monte. Et on revient. Allez, on monte. Et quand on monte, on déplie un petit peu le bras sur le côté. C'est notre aile. Reviens. Monte. C'est le genou qui monte. Coupe de champagne sur le genou. Monte. Reviens. Tiens bien le ventre. Monte. Dernier. Change. Allez. Petit V. On commence fermé. Maintenant. Ouvert. Referme. Ouvert. Sans lâcher la demi abdominale. Les obliques, le périnée. Ouvert. Coude sous l'épaule. Et cherchez votre équilibre. Gardez la fesse contractée sur la jambe de terre pour avoir le genou vers l'extérieur. Appuyez bien l'extérieur du pied. Et c'est le dernier. Et on cale derrière. On déplie le bras et on penche. Allez. Ouvre. Reviens. Comme une aile dans votre champ de vision. Allez. Allez. Je tourne un peu vers vous. Ce sera plus flatteur comme angle. Voilà. La main en avant sur la chaise. Tenez bien le ventre. Talon. Sous le genou. Derrière le genou. Encore deux. Allez, vous relâchez. Levez. On va aller devant. Sur le côté. Et on revient. Vous restez dans les diagonales. Devant et côté. Ça va ça? Allez ensemble. Allez. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bras? On va faire le contraire. Là. Et on se rejoint sur le côté. Devant et côté. Est-ce que mon martre va bien? Est-ce que mon martre suit? Si la coordination est trop dure, enlevez le bras.
Avancez la jambe de terre. De l'autre côté. V. Devant, côté. Ça va ça? Avec le bras. Devant. Vers la diagonale. Devant. La jambe de terre solide. Ça vous de la fesse pour que le genou tourne vers l'extérieur. Imaginez vous coincez des liasses. Un billet de 500 sur les fesses. Mais bien sûr, j'ai jamais fait ça. L'argent, c'est sale. Allez, relâchez. Bon, les enfants, on va pas être obligé de faire le contraire. Donc, vous avez votre petit V, vous allez derrière et sur le côté. Ça va? Derrière et sur le côté. Évidemment, les bras opposés. Hein. Derrière et sur le côté. Derrière. Sur le côté. Je vous le ralentis parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Derrière. Sur le côté, je reste. Ouais, c'est mieux. Derrière. Sur le côté. Tenez bien le ventre. Penchez légèrement en avant. L'épaule basse. Le dernier, le dernier. L'autre côté. Derrière. Côté. Relâche. Derrière. Côté. Relâche. Derrière. Côté. C'est mieux quand c'est moins de profil, hein. Ouais. La jambe de terre en dehors, serre la fesse. Appuyez le bord externe du pied. Et revenez vraiment dans la diagonale avant. Ok. C'est le moment de monter les jambes, les enfants. Alors, vous allez monter le bras ici, au-dessus de la tête. On y va. Et la jambe aussi. Et il monte. Et il monte. Restez le bras en avant. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas l'épaule en l'air. Et l'autre côté. Dur. Ça a l'air de rien, je sais. Pensez à autre chose. Détournez l'attention. Allez, on va sur le côté. Alors les enfants, vous avez votre V. Vous allez pencher vers la barre. Et vous allez monter en même temps le bras comme un pierrot, un pantin et la jambe dans la diagonale. Donc diagonale avant. Évidemment, moi je monte peut-être plus haut hein, que 2-3 d'entre vous. Diagonale avant. Côté. Pensez au genou de terre, c'est le principal. Petit V, genou au-dessus des orteils, on serre la fesse. Allez, diagonale avant. Soufflez. Tenez bien le centre. Ok. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas prendre la jambe extérieure, mais la jambe qui est du côté de la barre. Vous allez monter le bras et monter la jambe de la barre. Comme ça. Voilà, vous penchez en avant. Petit V. Par terre. Épaule basse. Allez, on fait l'autre côté. Jambe intérieure. Petit V. Sans lever l'épaule.
On penche en avant pour ne pas avoir mal au dos. Allez, on relâche. Et pour finir, faites-moi quelques relevés. Là. Montez. Posez bien les talons. Allez, continuez. Montez. Voilà, la main doit sur la barre. Allez. Voilà. Restez tendu. Monte. 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 Sans partir en arrière. 3. 2. Reste. 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 Et on relâche. Les enfants, bravo. Allez. Allez au sol, prenez votre tapis. Qui c'est qui a là? Faites voir. Sylvia, regarde quoi, regarde. Bonjour à tous. Regarde, regarde quoi. Maître Jim. Allez, on y va. Vous êtes mignons, je vais vous lire après. Faut pas me déconcentrer. Alors attends, cadrage. Ouais. Là, musique. Toi, tu t'arrêtes. Toi, tu reprends. Allez, on va au sol. Sur le périnée abandonné. Coquillage et crustacés. T'imagines? On l'attend au-dessus et on s'enroule. Souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, déroule. Et inspire, repose. Encore. Bascule bien. N'écarte pas les genoux. Ouais. Activez bien les adducteurs. Alors, si vous n'avez pas mal aux épaules, vous reculez. En contractant bien sous les aisselles pour avoir les épaules basses. Ne lâchez pas tout. Et relâche. Et monte. On fait le contraire. Monte et rejoins. Cuisse et bras. Et déroule et redescend. Recule. Encore. Monte. Et recule. Encore. Talons. Appuie les mains dans le sol. Sentez le travail derrière les bras, derrière l'épaule, dans le dos. Ah, vous restez là. Allez. Vous tirez les mains vers le sol, sans bloquer les coudes, sans casser les poignets, du soleil et des chansons. Et moi donc? Allez, vous relâchez. Génial. Moi, je vais aller à la madrague. Je veux pas être là. Brigitte. Je sais pas si tu l'as encore, Brigitte, à la maison. Allez. Vous allez serrer les genoux. On fait sa boule de serviette de Corona Land. Ça gratte les bras, sujet. Là, regardez les enfants. Résistance, ramenez les jambes vers vous. Si vous avez mal au dos, mettez quelque chose sous les fesses. Voilà. Donc là. Vous engagez les obliques qui ramènent le bassin vers les côtes. En serrant les jambes et en périnant. Du soleil et des chansons. Et des chansons. Alors, vous restez comme ça. Vous avez compris ce que c'est de ramener les jambes vers soi. Les bras en V. Allez. Et vous allez sur le côté. Toujours avec cette impression de ramener les jambes vers vous. Vous décollez juste une fesse. Mon Dieu, j'ai craqué comme un vieux chêne. Allez, l'autre côté. Donc, le coquelicot dans la bouchée, comme ça. Mon Dieu, pour la première fois de ma vie, je sens les abdos. Je vais aller lourde, hein.
Les amis, quel est le poids atomique du périnée? Je sais jamais. Béatrice, arrête. Sylvia aussi. Arrêtez de travailler. Oh là là, on peut rien dire ici. Je suis assez fier. Je suis assez fier de ma bêtise. Pardon, c'est ça? Je reviens. Il y a une attaque. Il y a une attaque cybernétique. Ça va pas? Monsieur, monsieur, rentrez chez vous. Voilà, monsieur, auprès de mademoiselle. Alors, je vous invite à passer au salon à quatre pattes. D'accord. Allez. Alors, les enfants, entre vous et nous, les mains, jamais serrées, parce que sinon on n'est pas appuyé sur l'intérieur des mains. Voilà, appuyez ces deux doigts de la largeur des épaules. Ça va ça? Les coudes vers les cuisses. Maintenant, regardez. Vous allez soulever les genoux. Et vous allez repousser le sol en contractant la poitrine, sans poser les genoux. Voilà. Je repousse le sol et je reviens neutre au niveau des épaules. Inspire, repousse et souffle, reviens neutre. Voilà. Reposez les genoux brièvement. On va faire le contraire. On va serrer entre les omoplates, sans lever les épaules, sans cambrer. Soulevez les genoux. Serrez entre les omoplates. Soufflez, serrez entre les omoplates, sans laisser saillir les côtes. Encore trois. Encore deux. Et l'ultimo. Et vous relâchez. Lâchez les poignets. C'est pas mal. Asseyez-vous sur le coussin. Encore la plage. C'est l'amour à la plage. Alors les enfants, soit vous êtes jambes tendues, soit vous êtes jambes pliées. Il faut être appuyé sur les ischios. Les os des fesses. Vous allez pivoter. Un tout petit peu. Mettez les mains sur le bas des côtes. Pivotez. Vous serrez le bas des côtes. Et vous arrondissez légèrement le haut du dos. Faites le jambes pliées, ce sera mieux. Voilà. Maintenant, regardez. Une fois que vous avez légèrement pivoté, vous allez vous arrondir vers l'avant. Mais vous poussez les côtes en arrière. Le bas des côtes. Alors, vous vous redressez et vous revenez. Donc, je tourne vers la jambe, le genou. Je m'arrondis en poussant les côtes vers l'arrière, bas des côtes. Je me redresse et je reviens. Regardez le profil, ce que ça donne, vous voyez? Je pivote et j'arrondis que le haut du dos. Les épaules vers le genou opposé. Je reviens et face. Je tourne, je n'arrondis pas le bas du dos, hein, que le haut. Voilà, serrez bas des côtes, poussez vers l'arrière. Maintenant, on pivote. Et imaginez, vous avez une scie sur l'auriculaire. Vous allez scier le petit orteil. Poussez le bas des côtes en arrière, à l'opposé. Vous vous redressez et vous revenez. Voilà, pivotez, poussez le bas des côtes à l'opposé en arrière et on va scier avec l'auriculaire le petit orteil. Donc on mobilise le haut du dos dans la rotation, pas le bas du dos. Pivote, scie. On revient et face et reface. Pivote, souffle vent en avant. Inspire, revient. Et pivote. Voilà, on scie. Poussez bien les côtes en arrière. Donc, pas de rotation sur le bas du dos avec une flexion. Rien. La rotation, elle est juste sur le haut du dos. Imaginez, vous avez mis le bas du dos contre un mur. Collé. Ok, allez, vous relâchez. Alors, les enfants, on va à plat ventre. Fort de tout ça. Voilà, vous allez garder ça sous vous, la serviette. Et vous commencez en dehors du tapis. Vous allez mettre sur l'os du bassin et le ventre, donc le nombril, le coussin. Voilà, vous allez à plat ventre. Je regarde si je vois mes pieds. Ouais, c'est bon. Ok, alors regardez. Les jambes de la largeur des fesses, coccyx vers le sol. Voilà. Commencez un peu en avant. Soulevez la tête. Et maintenant, vous allez ramener. Vous allez ramener ça vers vous. Et vous revenez. Voilà. Souffle, ramène. Inspirez et souffle, redescend. Souffle, monte, ramène. Si vous arrivez à soulever du sol, sinon vous posez. Si c'est dur pour le dos, et vous revenez.
Allez, souffle ramène, les coudes au ras du sol, un micron du sol. Inspire, et souffle redescend. Souffle monte le périnée de ventre, coccyx vers le sol. Inspire, reste. Et souffle revient. Souffle monte, tendez bien la serviette. Sentez le travail entre les omoplates sur l'omoplate. Toute la tenue abdominale pour protéger le bas du dos. Souffle monte. Inspire, reste. Souffle revient. Dernière fois, souffle monte. Inspire, reste. Souffle relâche. Étirez-vous à quatre pattes. Ah, vous soufflez, vous arrondissez. Et vous revenez. Allez, mettez le coussin sous les fesses. Alors, est-ce que vous avez deux coussins? Sinon, vous mettez la serviette derrière la tête. On ne va faire aucune mobilité sur la tête pour sentir que les abdominaux servent à stabiliser le bas du dos et pas à bouger la tête comme un pinson. Ah bon? Tu es sûr, Jean-Marie? Oh, je tente. Voilà, allez. Collez les poings au-dessus du ventre. Coude vers l'avant. On allonge une jambe après l'autre vers le bas. Vous continuez. J'enlève la pub. Ça voulait dire mon périnée. Collez bien les poings. Moi, les moins de 20 ans, je ne leur parle pas. Comme ça, je ne sais pas qu'ils existent. Je suis pas jaloux. Attention, les jambes en l'air. Et une vers l'avant. Et l'autre vers l'avant. Les deux en haut, pointé ou flex. Vers l'avant. L'autre côté. Et on tend les deux vers le haut. Et on revient. Encore. Ne laissez pas tomber le talon. Collez bien les poings. J'aime bien cette chanson, mais j'aime pas la personne. Hein. Allez, relâchez ça. Comment ça va? C'est dur ou pas? On fait le contraire. Regardez, vous allez mettre ça sur le bassin et en allant vers le bas, vers la culotte. Donc plus vers le nombril, mais vers le bas. Ça va? Allez, on va faire ça. De nouveau, la serviette, les coudes bas. Voilà, tendez-la bien. Jambes en V, on soulève une jambe après l'autre. En ramenant bien le coccyx vers le bas. Ne cherchez pas la hauteur. Cherchez la tendeur. Tendez les jambes, quoi. Bah, moi, je fais une télé-réalité à ma façon. Bah oui, j'ai dit des conneries. Regardez, vous montez une jambe et vous montez un bras. Au ras du sol. Voilà, et vous pivotez un tout petit peu vers ce bras, là. Les épaules bien basses. On ne bouge pas tout le bas du dos. Donc du bassin jusqu'au bas des côtes. Rentrez bien le menton. Épaules basses. C'est un excellent travail ça, vous savez. À l'opposé comme ça. Alors pour ceux qui sont sans mal de dos, montez les deux en même temps. Sinon, vous montez simplement les jambes ou bien vous alternez. La bohème. Allez, les quatre pattes. Ben, chacun sa bohème, les enfants, j'ai l'impression. Alors, on est sur le côté. Ouais. Allez, mettez-vous sur le coude. Les genoux plus bas que les hanches.
Appuyez bien le coude, baissez l'épaule. Voilà. Vous soufflez, vous montez. Vous relâchez un peu et vous remontez. Voilà. Vous serrez la taille. N'hésitez pas à un peu arrondir les épaules pour placer mieux l'épaule du sol. Voilà. Contractez la taille. Encore. Allez, poussez ça vers le haut. Voilà, montez. Allez, de côté. Le coude sous l'épaule. Enfoncez le coude. Montez les fesses. Les genoux sous les épaules. Sous les hanches. Allez, tout petit. Montez ça. Contractez la taille. Encore. 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 Allez, le grand final. Croisez les chevilles. Basculez le bassin. Vous pliez à moitié, vous restez. Et vous revenez. Pliez à moitié, vous restez. Les épaules basses. Grandissez par la tête. Coccyx vers le sol. Appuyez bien le pouce sur l'index. Encore. Le dernier. Ah. Allez, relâchez. Super. Alors, on s'étire. La suite. Mettez-vous sur le dos. On va commencer sur le dos. Vous vous rappelez quand Brigitte Bardot allait danser dans les mariages? Elle se mettait une perruque. C'est dur d'être connu en fait. Allez, étirez derrière la jambe. Gardez les épaules basses. Ajustez vraiment la hauteur de la tête s'il faut plus haut. N'hésitez pas. Surtout avec des bras en l'air. Hein. Résistez un petit peu. Poussez la jambe vers l'avant. Allongez les expirations. Appuyez à peine le genou. Ouais, c'est bien. Les deux fesses au même niveau. Ramenez bien les orteils vers vous, étalez-les, les mains à la même hauteur, les deux fesses au même niveau. Allongez les expirations. Résistez un petit peu, poussez la jambe vers l'avant. Pliez légèrement le genou. Et vous relâchez. Ok, allez, tirez ce genou-là vers vous, tendez l'autre jambe. Vous allez ramener vers l'intérieur, et quand vous ramenez vers l'intérieur, la jambe qui est par terre tendue, vous la pliez pour libérer le dos. Voilà. L'autre bras est en V vers le bas. Gardez un contrôle dans le centre, et surtout pour ne pas vous laisser embarquer, résistez en poussant ce genou-là contre la main. Si vous voulez tendre votre jambe, c'est tendu, mais vers l'avant. De l'autre côté, le bras est en V, vers le bas. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Et vous pouvez mettre la main sur la fesse si vous ne trouvez pas votre posture, votre position pour le bras. C'est quoi ce temps dehors? Il fait froid, il fait gris. Et on est en confinement. Qui c'est qui m'a puni? En plus, mes plantes vont même pas pousser ce temps. Allez, l'autre côté. Allez, on ramène le genou. On va vers l'intérieur, le bras en V vers le bas. Voilà. Pliez la jambe dès que vous tournez. Basculez bien le bassin, tenez le centre. Hein. Toujours une connexion du bassin avec les côtes. Tenez bien le périnée. La jambe, si vous l'attendez, c'est vers l'avant. Un petit peu et vous résistez en poussant le genou contre la main. C'est moins évident ce côté-là. Coccyx vers le haut,
Ah, j'inspire, je grandis, je souffle, je pivote. Allez, vous revenez doucement. Tendez les jambes vers le bas. Poussez sur les talons. Poussez sur les mains. À vous décambrer. Ah. Allez. Laissez tomber les genoux. Décambrez. Ramenez le coccyx vers le haut. À vous pousser sur les jambes. Vers le bas. Et vous essayez de les éloigner en même temps. Surtout de les éloigner. Voilà, en basculant bien le bassin. Et attention de ne pas prendre la force dans les épaules en l'air. Hein. Toujours les omoplates qui raillent les fesses. Allez, tirez les genoux vers vous. Essayez de garder les fesses au sol, mais de tirer les genoux vers vous, de la largeur des épaules. Là, sans soulever les fesses, au contraire, vous les poussez en arrière. N'hésitez pas à pousser un tout petit peu les genoux contre les mains aussi. Vous inspirez, vous dépliez la colonne vertébrale et vous soufflez, vous essayez de ramener un peu plus les genoux vers vous. Avec un dos long, large, bien ancré au sol. Allez, relâchez. On étire la fesse. Croisez le genou sur la cheville. Je vous montre là. Laissez dépasser la malléole vers l'extérieur de la cheville. Voilà. Vous attrapez à l'extérieur du genou et devant ou derrière l'autre genou, comme vous voulez, suivant la longueur des bras. Et vous tirez tout ça vers vous en résistant un petit peu. Donc vous résistez avec vos deux jambes en poussant vers l'avant contre les mains. Alors vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez davantage. La taille de la même longueur des deux côtés. Travaillez sur la longueur d'expiration. Et puis vous faites l'autre côté. Croisez bien. Laissez dépasser la malléole. Vous voyez, c'est l'os qui est à l'extérieur, là. C'est la fin, en fait, de ce grand os, là. Allez. C'est le péroné à l'extérieur. Ouais. On attrape devant, derrière. À l'extérieur du genou. Les deux fesses au même niveau. On résiste en poussant les jambes contre les mains. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez davantage. Avec un beau visage détendu. Il y a autant de travail que de détente. Essayez d'équilibrer ces deux. C'est dur. C'est en fait ce travail qu'on doit avoir dans la vie. On doit équilibrer toujours les choses. Et ce n'est jamais acquis. C'est un travail de tous les instants. Vous voulez que je vous mente? Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir un coach. Allez, poussez sur les talons. Basculez bien le bassin, tirez sur les doigts. Alors les enfants, vous savez qu'il faut étirer malheureusement à l'intérieur des jambes. Alors, attrapez. Alors, vous allez ouvrir le genou et la jambe. Et pour ne pas vous laisser embarquer, il faut appuyer plus du côté plié. Et évidemment, il y a un gros travail abdominal pour ne pas se laisser tourner du côté de la jambe tendue. Quand vous avez l'étirement, vous essayez de résister un peu en voulant refermer un peu les jambes vers le plafond. Un peu. Les deux côtés. Une longueur d'expiration. Allez, faites l'autre côté. Je vais baisser un peu. Mes petits chouchous, vous êtes toujours là.
Allez, une jambe pliée, une jambe tendue. On s'en rappellera de tout ça quand même, hein, les enfants. Vous résistez, vous essayez de refermer les jambes. Le périnée en alerte. Le périnée de Dor que donne la vie. Longueur d'expiration. Et vous relâchez. Allez, tournez. Étirez-vous en fente. Alors, le genou sur le coussin. Descendez en avant. Vous mettez les mains dans le prolongement du pied. Ça va, vous l'avez ça? Vous préférez, voilà, un peu comme ça, c'est bien. Et vous avez toujours le pied qui est un peu en avant du genou. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller plus loin, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous pouvez attraper avec la main opposée et ramener vers la fesse. Soit avec la serviette, soit avec la main. Et le talon ne touche jamais la fesse, hein, et vous descendez bien bas les fesses. Vous pouvez aussi garder la jambe tendue, il y a autant d'étirements, enfin il y a autant d'étirements, il y a le même étirement. Là on va un peu plus loin, mais c'est quand même le même muscle. Les enfants, j'ai envie d'une paella con el arroz negro. Vous savez, avec le riz noir à l'encre de sèche. Oh là 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 les enfants. Vous savez quoi, c'est pas demain la veille que je vais la manger. Oui, voilà. Allez, on descend le bassin. Les mains au niveau du pied. N'hésitez pas à redresser un peu le dos si vous êtes vraiment à l'aise. Et si vous voulez aller plus loin, vous glissez la serviette sous le pied. Vous l'équilibrez bien. Vous attrapez avec la main opposée, vous partez vers l'avant. Voilà, déjà rien que le fait de pousser, on a soulevé le pied, hein, de pousser le pied arrière contre la serviette, ça tire. C'est pas la peine de faire son gilbert, de ramener le pied vers la fesse comme ça. De toute façon, vous savez que la souplesse, ça va être complètement ringard après le déconfinement. Donc, non, lâchez-vous là, c'est vos derniers instants. Moi, j'ai jamais été à la mode. Sans rire, tu es en train de te dire, sans rire. Eh bien, tu le gardes pour toi, cette réflexion. Allez, on va s'étirer debout. On va faire un petit V avec les pieds. Léger, hein. Voilà, vous êtes coutumier du fait, serrez bien les jambes. Voilà. Maintenant, le bras, vous le montez par l'avant. Jamais sur le côté, parce qu'il n'y a pas de placement d'épaule là. Ça va faire comme ça, hein, par l'avant. Ouais. Maintenant, regardez, vous serrez la taille et vous allez sur le côté, mais en vous arrondissant un petit peu vers l'avant, je vous montre de profil. C'est vraiment l'impression de vous mouler sur un œuf géant. Ben oui, j'ai que ça à faire. Ouais. Alors, serrez bien les jambes. On étire la taille, on étire le dorsal et aussi le carré des lombes proche de la colonne. Allez, relâchez. Serrez bien les jambes, montez par l'avant. Ne collez pas le bras sur la tête. Vous arrondissez légèrement par la contraction abdominale. Donc vous amenez les côtes vers le bassin et puis vous allez sur le côté. Poussez bien le bas des côtes en arrière. Coccyx vers l'avant. Le périnée absolu, moins 273 degrés. Hein. 14? Je sais plus. Et vous relâchez. Allez, on fait notre test. Descendez de vos tapis de Versailles.
Voilà, vous allez plier les jambes. Vous gardez les pieds vers l'avant. Vous tendez. Basculez bien le bassin et vous montez. Regardez plus bas que le regard, que les yeux. Voilà, entraînement ton. Sans plier les genoux. Je vous montre un petit peu de profil. Vous pliez. Quand vous tendez, ramenez les fesses en avant. Gardez les jambes bien tendues. Entraînement ton. J'ai l'impression qu'on vous tire les cheveux sur la nuque. Les doigts qui tirent vers le bas et les paumes sont légèrement en avant pour placer les épaules. Sinon, vous êtes comme ça. Hein. Voilà. Allez, on le refait. Pli. Vous tendez, vous basculez bien le bassin. Montez sur la pointe des pieds. Montez, 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 montez. Coccyx vers l'avant. Tendez les jambes. Grandissez par les oreilles. Tirez sur les doigts. Redescendez. Relâchez juste les bras. Là, vous avez autant de tension à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Vous avez fini votre cours. Vous pouvez déambuler chez vous maintenant comme ça. C'est fini les enfants, à ce soir pour le yoga. Mettez-moi un petit mot, je vous réponds tout de suite après. Ok? Moi, 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 câlin. Ah, je vais voir qui c'est qui était là. Ne quittez pas. Je vous prends. Alors, Madeleine, Béatrice, Sylvia, regarde. Ah oui, regarde, d'accord, j'ai compris. Madeleine, vous m'écrivez? Vous êtes fâchés? Je sais même pas. Ah, ça y est. Je vais déambuler comme ça. Pascal, merci, top, c'était top. Merci, ma chérie. Béatrice, merci beaucoup, Jean-Marc. Jean-Marc, je suis là. Bonne journée, moi. Ciao. C'est tout? Il n'y a personne d'autre. Oh, il y a un pouce qui vole. Ça n'amasse pas de mousse. Alice Dubois, je file déambuler avec ton chat. Ah, Alice, j'ai oublié. Happy birthday to you, Alice. Happy birthday to you, Alice, Alice. Marie-Rose, ma chérie, ça va? C'est gentil. Sylvia, oui. Bah, en fait, je vais encore vous répondre par écrit à tout ce truc oral. Sophie Azara, t'étais là? À ce soir avec Jeanne, ouais. Nathalie, oh ma chérie, Nathalie. Merci, j'ai reçu ton sou. Alice, le chat ne déambule pas. Non, le chat a eu peur de ma voix. Da, 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 da. C'était l'anniversaire d'Alice Dubois de M6. Elle a 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans. Comment ça va, Mila? Mila, elle fait la gueule. Mais ça va, elle travaille. Ça va, ça va. Mais, Shana travaille aussi beaucoup. Voilà, mais rien de grave. Voilà, c'est le confinement, chérie. Voilà, mais il faut quand même que je me débrouille pour tous mes cours parce qu'elle m'avait dit après le déconfinement. Enfin, voilà, il faut que tu te débrouilles parce que ça nous demande trop de travail. Roselyne, je déambule sur le balcon. Ah, je sais pas si on peut dire déambuler si c'est un balcon. Ouais, non, il faut qu'on voit le déco. Bon, les enfants, je vous raccroche. Ciao, moi, à bientôt, à ce soir.